Et salut à tous, à toutes et toutes 4, j'espère que vous allez bien, ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite du Let's Play de Sly Cooper, voleur à travers le temps. Donc là nous nous retrouvons dans le troisième monde, le clan des ratons laveurs des cavernes. Et nous sommes là pour la chasse aux bouteilles donc de ce monde. Donc sans plus attendre, on va commencer. J'en avais récupéré déjà 4 dans la précédente vidéo. Et nous avons déjà une bouteille ici que je ne vais pas pouvoir vous sauter ici. Voilà, ok, oui, non, tu ne bugs pas, s'il te plaît. Ok, donc le monde est quand même assez complexe. Donc j'espère que j'ai bien tout pouvoir les ramasser. Bon, je pense que ça ira. On a un masque juste ici. On va essayer de récupérer quelques trésors par la même occasion. Et puis voilà, et de récupérer bien sûr le contenu du coffre à bouteilles. Alors, on a une bouteille là-bas. 2, j'en vois. La musique, elle est vraiment excellente. Alors, toi, je vais te tuer avec ma destruction silencieuse. Alors, comment je vais faire pour aller là-haut, juste? C'est une question que je me pose. Là-bas, vous voyez, pour la bouteille qui est sur le petit... Bon, en fait, elle veut récupérer celle qui est sur le fil. Là. Là, on a un ennemi. Voilà. On a une autre bouteille. Deux autres bouteilles, même. Une ici. Et une. Là. Alors, je sais pas comment on y va. Oh, oh bah, j'y étais. Ok, c'est bon, nickel. Ce qui m'en fait déjà 9. Alors. Il y en a une juste ici. Ah oui! Et ces courants d'air, ces espèces de courants là, si je me souviens bien, ils nous servent pour planer avec le paraglisseur. Donc si je vais avec le paraglisseur dedans, voilà, ça me fait planer beaucoup plus haut. Et je crois qu'il y a un trophée pour si vous planez un certain temps avec le paraglisseur. Donc je pense que ça, ça pourrait être utile. Donc on va essayer de tout refaire dans l'ordre. Alors, comment je peux remonter au refuge là? Une bouteille juste ici. Voilà. Alors, je vous rappelle que je fais le jeu en let's play, encore une fois, pour ceux qui n'auraient pas suivi. Et que je découvre, hein, donc c'est-à-dire que les bouteilles, je ne connais pas leur emplacement. Je visite juste le monde et j'essaie de faire gaffe à regarder où elles sont. Et puis ça tombe comme ça, alors. Bon sang, mais comment je vais y aller à cette bouteille là-bas? Là, j'ai pas assez d'élan. Ok, donc, je vois à peu près comment je vais faire. Peut-être qu'entre temps, je pourrai en ramasser d'autres, qui sait. Alors. Une autre bouteille, ce qui m'en fait 12, pardon. Ah ouais, c'est un truc qui va vous propulser. Ah ouais, mais il y a une bouteille dedans. Donc. Je vais juste récupérer la bouteille sans me propulser. Ok. Merde. Oula. Voilà. Et il est mort. Alors, c'est quoi ça? Oh, ça... c'est plutôt pas mal. Ok, ça sert à rien par contre. Hein. On peut pas aller plus loin, d'accord. Alors ici, qu'est-ce qu'on a en bas? On a une porte. Oh là là, non, non, non. Ok, je me suis gouré de costume. Oui, je vois pas très bien à quoi ça sert. Ni comment on peut l'activer, je dois vous avouer que... Ouais, je sais pas. Alors par là, ça me donne... Ah, il y a un levier ici, ok. C'est sympa qu'il y a vraiment plein de petites choses à découvrir dans le monde, hein. Et ça, voilà, ça ouvre la porte. Et maintenant, faut que je me grouille. Quoi?
impossible. Ah mais attendez. Si je mets le costume. Ah non, je peux pas. Ah oui les gens, ça, ouais, ça je m'en souviens. C'est un costume qu'on va débloquer après. Alors, comment on vise déjà? Voilà, comme ça, et croix, ok. Ouais, donc le costume pour aller donc dans la... dans le truc... merde, c'est pas ça, ça, voilà. Donc pour aller à la porte qui se referme super vite, là, c'est... Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, donc c'est en fait un costume qui va nous permettre de ralentir le temps. D'après ce que j'ai vu. Ça je le sais parce que j'avais joué à la Paris Games Week et c'était un costume qui nous avait permis d'utiliser dans une séquence de jeu. Donc bah voilà, donc je sais qu'il y a un costume qui permet de faire ça. Et ouais, du coup vu que je ne l'ai pas, ça risque d'être assez difficile. Donc on va tout bien refaire dans l'ordre. Alors, le spawn est où déjà? Enfin le spawn, le refuge est là-bas. Okay. Il y a toujours cette bouteille impossible là-bas. Il y en a une encore là-haut. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de grimper donc sur ce monticule là-haut pour récupérer la bouteille qu'il y a et également pour espérer bah, pouvoir récupérer celle qui est sur la plateforme en hauteur là-bas. Voilà, ça m'en fait une bouteille. Alors là, il y a un truc à faire avec un autre costume, je crois. Et bon... Ok, c'est bon, je sais. Je sais comment l'atteindre. Il va falloir utiliser le courant ici. Merde, c'est bourré. Je me suis encore bourré. Allez. On ne fait pas trop chier non plus. Alors, on prend ça. On décolle. Merde, je n'ai pas décollé assez. Non, non, ça permet pas de décoller tant que ça, en fait. Oh, attendez. Ah non les gens, c'est impossible. Ok, il y a peut-être une solution. Je vais absolument la trouver, parce que sinon je vais péter un câble, c'est ouf. Alors. Voilà, ouais, bon, je pense que j'ai trouvé par où il faut aller. Et putain, si t'arrêtais de tomber tout le temps, ça serait vraiment, vraiment utile. Franchement. Okay. Alors, non, là-bas je peux pas, il faut sauter là-dessus. Il est vachement complexe, on a vraiment plein d'éléments un petit peu partout. Ça c'est chaud, hein, pour s'opérer. Donc voilà, et est-ce qu'on peut grimper en haut? Bah, je pense que oui quand même. Alors là les gens, ça va être un gros mystère. Je sais pas du tout comment on va pouvoir aller récupérer cette bouteille. On va essayer de faire à la fin. Parce que là je vois vraiment pas. Genre vraiment pas du tout quoi. Forcément, j'ai trouvé une autre bouteille, est-ce qu'il m'en fait 15? La moitié donc. Ok, donc il faut pas se faire repérer. Heureusement qu'il m'a pas vu. J'y prends des pièces. Hop. Alors là-haut, est-ce qu'il y aurait des bouteilles? Je regarde, non, par là-bas. J'ai pas regardé par là-bas. Apparemment, non. Ça, je sais pas du tout à quoi ça sert. Quoi? Ok, j'étais bloqué dans un truc invisible. Ah, dommage, il avait un objet, lui. Bon, tant pis. Bon, je pense que j'ai un petit peu pas mal regardé par là. Alors, ce truc-là, ça nous emmène où, déjà? Oh, putain! Ah, merde, par contre, on peut pas utiliser le paraglisseur. Ah, voilà, qui est très très con, parce que, en fait, j'aurais trop pu m'en servir... pour le... Bah pour la bouteille qui était dure d'accès, là. Ah, merde. Il y avait encore un... Et la bombe fumigène? Ça fait quoi? Ça me permet de disparaître, non? Tu ne me vois plus. Oh, merde. Si, il m'a vu. Bon, allez, tant pis, voilà. On le tue. Comme ça, pas de jaloux. Alors, ok, donc là, un autre truc à faire avec le... Un autre costume que l'on n'a pas, tout simplement. C'est vraiment assez chiant, hein, qu'il y ait toujours, toujours des trucs à faire avec
Enfin bon, d'un autre côté, c'est pas mal pour la rejouabilité parce que ça va vous forcer à rejouer au niveau précédent si vous vouliez vraiment tout découvrir avec les costumes que vous avez gagnés dans les autres niveaux. Donc, ouh, la bouteille là-bas, sous le pont. Celle-là, je crois que j'aurais galéré pour la trouver. Alors, par contre, vite! Oh merde! Bon, ok, on va attendre le prochain. Allez, 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 non! Oh putain, elle va vraiment pas être facile celle-là. Je pense qu'il faut plutôt monter. Alors, on va se débarrasser de ce garde. Je pense qu'il faut d'abord plutôt monter ici. Et ensuite, ouais. Voilà, monter sur celui-là par exemple. Et ensuite, la taper. Voilà. C'était quoi? C'était rien. Par contre. Oh là-bas, il y a un masque. Je vous le montre vite fait. Là-bas. Donc on va attendre bien sagement d'y aller. Oh là, une bouteille. Putain, c'est pas mal. Et un nouveau masque de Sly. J'en ai 20 sur 60. Je suppose que j'en ai raté quand même pas mal. Vu que je suppose que je devrais en être à la moitié là. Logiquement, est-ce qu'il serait à 30? Parce qu'on est à la moitié du jeu à peu près. Donc je pense que j'en ai raté, ouais. Mais bon, c'est pas grave de toute façon. Je vous avais dit que je ne pourrais pas récupérer tous les masques, tout simplement parce que je n'ai pas déjà fait le jeu, voilà. Je suis dans les let's play, voilà. Alors, on part en haut. Je vois encore un masque d'ici. Par contre, pour aller le récupérer, ça va être une autre histoire. Je peux grimper là-dessus? Ouais. Ouais, non. Je ne peux pas, très bien. Alors, oui, très bien. Le masque est là-bas. Bien caché en plus. Il y a une bouteille juste ici. Comment on y accède par contre? Oh, j'avoue que j'ai un mal fou à me repérer dans ce monde. C'est vraiment affolant. Alors. Ah mais là en fait on est derrière le refuge. D'accord. Ok c'est bon, je commence à prendre mes repères. Ok. D'accord, je m'y attendais pas. Ah merde, ah oui. On glisse pas dans le même sens. Ok, je veux la bouteille. Voilà. Merci. Donc, j'aimerais bien aller récupérer le masque à la derrière, mais je ne sais pas du tout comment faire. Donc, par derrière le refuge, je suis pas trop allé voir. Donc, on va jeter un coup d'œil rapide, mais précis. Pas une plateforme qui nous permettrait de... Là déjà on a un objet, là je suppose que ça va nous permettre... Ah non. Ah non. Bon bah écoutez, je tente. Oui, yes. Et nous avons un nouveau masque de Sly. 21. Alors, on va aller récupérer l'objet qu'il y avait là-bas, on va le ramener au refuge. Allez, c'est parti. J'ai 15 secondes, merde. Ok, le refuge, il est vraiment pas loin, mais enfin bon. Putain, ça va être chaud! Impossible. Oh putain, si. Wow, 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 wow. Yes, c'est bon, à une seconde près, je l'ai récupéré. Pierre couverte de rubis. Ouais, je crois que c'était de rubis, j'ai pas vraiment eu le temps de voir. Ok, une bouteille là-bas. Putain, on a vraiment... Ok, là, je peux voir plein de bouteilles. Merde, merde, merde. Non, 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 non. Ok, on reste là. Hop, on va chercher cette bouteille. Là-bas, une autre bouteille. Hop. Alors. Toujours des petits ralentissements, c'est vraiment assez gênant. Le pire, c'est que je peux vraiment pas les régler en installant le jeu sur mon disque dur, parce que mon disque dur est plein. J'ai une PS3 80 Go, vous saviez, parmi les premières, et du coup, bah...
J'ai vraiment plus d'espace du tout. Donc je peux vraiment pas régler ça. Je suis vraiment désolé. Si jamais ça vous gêne. Bon, par là, je pense que j'ai quand même fait le tour. Petit garde. Ok, bon, on va aller par là-bas. Pour ensuite... Attendez. Ok, si je suis déjà allé. Oui, donc comme je disais, pour ensuite... aller donc dans le fort, là, dans le... Ok, une bouteille là-bas. Hop. On peut remonter par là. C'est très bien. Boum, alors. Par là, il devrait quand même y avoir une ou deux petites bouteilles. Ok, là ça ne donne nulle part. Alors. C'est vraiment dégueulasse comme on les tape, c'est boum et ils crèvent. C'est la dure loi de la nature. Alors, j'en ai combien déjà? 22. Oh, bah ça va. Ok, on a un objet. On avance relativement rapidement. Ah mais on est dans le fort là en fait, ouais, j'avais pas remarqué. On est déjà dans le fort, il y a un masque là-haut. Là, la statue du gris, le boss du jeu, de ce monde. Hein. Et il n'y a pas de moyen... Putain ouais, j'avoue que je sais pas du tout. C'est par moi en glace là. Elle me... Je suis quasiment sûr, vous voyez, qu'on peut grimper dessus. Je sais pas comment on peut faire, mais je suis quasiment sûr qu'on peut grimper dessus. Parce que dans les anciens Sai, il y avait une technique qui nous permettait d'aller chercher... Pardon, d'aller escalader des parois en glace comme ça. Avec notre serpe en fait qui se divisait en deux petites serpes pour pouvoir... comme des piolets en fait. Et je pense qu'on pourrait aller récupérer des choses grâce à ce système. Et je pense aussi qu'on va le récupérer pendant la suite de l'aventure. Enfin je pense. Alors une bouteille ici. Et une autre là-bas. Et je ne vais pas avoir assez d'élan. Merde. Ok, donc j'allais récupérer l'autre. Et je reviendrai sur celle-ci après. Le garde là-bas a un objet. Donc voilà, alors. Oh, est-ce qu'on peut les détruire, eux? Non. Trop dommage, ça aurait fait pas mal de pièces, j'avoue. Ah, on peut descendre. Ah, ah oui, on doit sûrement avoir des trucs par ici. Ah, mais j'étais déjà passé, en fait. Oh, mais là, nous avons un truc à exploser avec notre costume de prisonnier. Tac. Voilà. Ensuite, un autre... Ouh, elle a pas mal, la zone secrète, là. Hop, ensuite on prend le costume de dents de sabre. Voilà. On continue. Et voilà, nous avons découvert une zone secrète avec un trésor. Alors par contre pour aller le récupérer, ça va pas être facile. Hop, on le ramène au refuge. J'ai 41 secondes. Allez, c'est parti. Trésor plutôt conséquent, donc vite. C'est quand tu veux, ça y est. Voilà, putain, 3 heures pour sélectionner le machin. Alors le refuge, 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 putain, il est loin. Et il est beaucoup trop loin, j'ai jamais arrivé. À moins que. Vite, cours. Oh putain, ça va être juste. Je vais y arriver. Oh merde, j'y étais. Putain. Oh là là là. Bon, ok, c'est bon, j'ai trouvé la route. J'étais vraiment à rien, quoi, c'est ça qui m'énerve. Ok, donc je suis là-haut, y'a pas de deux. Ok, donc on recommence. J'avais pas perdu autant de temps à essayer de me coucher parce que ça voulait pas se coucher. Bah, vous voyez, ça va pas sortir, je sais pas pourquoi. Okay. Hop, on prend le trésor. Vite, le trésor, j'ai dit, allez go. C'est fait. On fait vite le deuxième. Voilà. C'était encore en train de bugger, tu sais. Un truc bien chiant. Alors, ok, là on a un garde. Il va pas me voir. Puis on fonce, il aura pas le temps de nous avoir. Je pense que je suis dans les temps. Ouais, je suis large. Ça va.
Heureusement qu'on peut courir sur les cordes. C'est vraiment d'une très grande utilité. Et nous avons débloqué un nouveau trésor, patin de glace de grise, pour 222 pièces. Alors, il nous reste encore 7 bouteilles à trouver dans ce monde. Très complexe, hein, franchement. Il est vraiment pas simple. Alors, je vais faire un truc. Option. Je vais désactiver la musique. Juste pour un temps. Pour pouvoir bien entendre le son des bouteilles, en fait. Voilà. Donc, par là, il n'y a rien, vous voyez. Puisqu'on entend très bien, très distinctement les bouteilles avec leur petit tintement. J'enlève le musique comme ça, qui était assez forte d'ailleurs, pour pouvoir bien entendre des bouteilles. Là-bas, il y a une bouteille. Alors, 24 bouteilles. Ensuite... Par là, ça pue la bouteille en tout du genre. Ah non, même pas. Très bien, là-bas, il y en a une. Comment ça se fait que je l'ai pas vu, plus tôt? Ouf, c'était vraiment juste. C'était vraiment juste. Vous avez dû gueuler tout à l'heure quand je suis passé à côté. Vous allez dire, mais putain, mais elle est là où la bouteille? Non, peut-être pas comme ça, mais... Un petit peu dans le genre, quoi. Alors... Tac, tac, tac. Merde. Non! Ok, là, on a un objet. Je vois une bouteille là-bas. Alors, la question est comment on va aller la récupérer. Est-ce que je vois des bouteilles autre part? Non. Bon, écoutez, je perds pas cette bouteille en tête. Et on va ramener ça. Ah oui, c'est vrai. J'avoue que j'ai toujours une bouteille qui est assez dure à... Comment ça, 6 secondes? Impossible, impossible. Oh, yes. Œuf de dinosaure. 112 pièces. Donc la bouteille a été derrière les chutes. Alors. Derrière les chutes. Ok, il y en a une là. Je crois que c'était celle-là d'ailleurs. Alors par contre, comment... je vais faire pour aller la chercher. Alors là, c'est la grande question existentielle. Alors là, j'avoue, ça va être assez compliqué. Ok, ok. Non. On recommence. Ah putain, c'est vrai qu'il y a toujours celle-là. Oh là là, j'allais l'oublier. J'avoue que là, je sais pas du tout. Il n'y a pas de tremplin. Il n'y a vraiment que dalle. Que chi. Ah oh putain, c'est vraiment impossible. Comment? Ok, j'avais pas vu ça. Putain, ouais, mais par contre, ce qui est con, c'est que le paraglisseur, il va vers l'avant. Et c'est quasiment impossible de le contrôler. Merde. Oh putain. Arrête de laguer, s'il te plaît. Putain. Voilà. 3 coups suffisent pour eux, apparemment. Bon. On va quand même réussir à y aller. C'est incroyable ça. Voilà. Et de là, est-ce que je peux pas aller chercher sa petite cousine qui se trouve être... Je l'ai perdu de vue. Bon, tant pis. De toute façon, je peux pas. Elle est super haute, je crois. Elle est là. Donc, je pourrais y aller qu'en allant par là. Hop, j'étais déjà passé. Oui. Oui, là, c'est la statue du gris, donc j'étais déjà passé ici. On va s'en servir pour monter sur ce truc là-bas. Non, c'est pas du tout ce que je voulais faire. C'est pas grave. On va grimper là, et là, normalement, je peux y aller, ouais. Nickel. On dirait que ça a été prévu pour. Alors, plus que 2 bouteilles à trouver, puisqu'il y en a une dont je connais l'emplacement, mais...
pour laquelle je n'arrive pas à aller. Il doit être putain de classique, donc je le prends. Et je me casse vite fait. Alors, hop, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte. Pas assez, bordel de merde. Ça va vraiment être trop juste. Oh, quoique, quoique, quoique. Yes. Vasque de Saïf en camant. Qui était donc un ancêtre de Saïf. Qu'est-ce qu'il fout là? On ne sait pas, mais oh! Ah bah oui, la bouteille, oui, bien sûr. La bouteille impossible à trouver. Attendez, c'est pas tout simplement en allant sur ce petit truc là en bas. Si jamais c'est ça, je vous jure que... Ah non, ouais, on va pas assez haut. Oh. Oh putain! Ok! Ok les gens! Donc là, ok. Putain, je suis vraiment trop con. J'étais tellement con que j'ai même pas pensé à regarder. Putain. C'était juste en dessous pourtant, là où c'est rien. Oh là là, bon ok c'est bon. Donc il me reste encore plus que deux bouteilles à trouver. J'ai tellement honte là. J'ai vraiment tellement honte. Je vous avouerai que je commence un petit... J'entends une... Ok. Donc là j'en ai entendu une pendant un quart de seconde, d'accord? Un petit quart de seconde. Et en plus cette grotte, je ne suis jamais allé voir dedans. Donc je suis sûr qu'elle est là. Toi tu vas fermer ta gueule, tu vas tomber. Voilà, merci. On va tuer les deux autres petits gus là-bas. Et on va revenir sur nos pas parce que j'avais entendu une bouteille. Oh putain, il a failli me faire tomber le bâtard. Allez. Ok.
Donc là on a deux trucs, on a pas mal de trucs à les récupérer ici. Alors par là, ça nous emmène où? Ici, nous, d'accord, j'étais déjà allé voir. Donc on va revenir sans nos pas. Parce que pendant un quart de seconde, j'ai entendu une bouteille. J'espère que c'est pas moi qui commence à devenir fou, parce que là, je vous promets que ça va vraiment être difficile. Donc là. Vous voyez? Là, je l'entends. Et s'il y avait eu la musique, je vous promets, je l'aurais pas entendu. Donc c'est pour ça, quand vous cherchez les bouteilles, franchement, désactivez la musique. Voilà. Alors par contre, la question est où elle est? Elle doit être au-dessus, mais... Où ça au-dessus? La question est là. Et là, je l'entends plus. Ok, d'accord, bien caché celle-là. Ok, très très bien. Plus qu'une. Plus qu'une petite bouteille. Ok. Alors, on va aller vite fait aller regarder dans cette zone secrète qu'il y a là-bas. Je suis désolé si c'est un petit peu mort hein, sans la musique, l'ambiance. Mais. Alors, on va prendre. Je pense qu'il faut le costume de samouraï pour rester au feu. Non. Oh, les enfoirés. Ok, c'est bon, je sais ce qu'il fallait faire. Fallait prendre le costume de prisonnier et puis rouler sur sa boule, je pense. Sur la boule, là, vous savez. Ok, c'était là. C'est bon, je commence à prendre mes repères. Ok, lui, il y a un objet, on va quand même lui voler. Oula. Je vous mettrai de la musique pendant les phases où j'ai cherché un petit peu, je pense. Parce que sinon, c'est vrai que ça a dû être un petit peu mort. Surtout que je mets pas mal de temps pour que je cherche des bouteilles. Moi j'en suis à plus de 40 minutes de vidéo, là vous, vous aurez sûrement moins. Mais moi, sachez, j'en suis à plus de 40 minutes. Alors, on va donc prendre le costume de prisonnier. Et monter sur sa boule. Comme ça. Voilà. Nickel, nickel, nickel. Et ensuite, on l'utilise pour taper sur ça. Voilà, ce qui nous donne un sympathique petit objet. Qu'on va s'empêcher de ramener au refuge. C'est parti, hop, on se déguise, tac. Allez, roule. On peut se servir aussi pour rouler comme ça, hein. C'est aussi rapide. Sauf que là, on va très vite enlever son costume pour courir. Oula. Alors là, par contre, je suis vraiment mal placé. Je suis tout en bas. Saute! Ok, c'est bon. Et ça va nous donner un Lutréolan. Je sais pas quoi. J'ai déjà 6900 pièces, les gens, ça s'est abusé. Bon alors écoutez, il nous reste plus qu'une seule bouteille, ok? Une seule fucking petite bouteille.
Donc là, je suis déjà passé. Il y a un objet que j'ai pas récupéré, mais on s'en fout. Oh, papa, papa. Alléluia. Ok, nous avons la dernière bouteille, les gens. Elle était bien, vraiment bien cachée, en fait. J'étais pas du tout allé voir là. Et le coffre est... Est-ce que c'est marqué sur la carte? Non, la carte qui ne sert à rien. Alors, le coffre est marqué... Marqué où? Avant que je tombe. Ah, je suis content. Là, les gens, c'est vraiment un soulagement. J'ai cru que... Que j'avais failli à ma tâche. À ma mission, vous voyez, et puis... Et puis finalement, non. Alors, le coffre est là, voilà. Bon, alors, je suis vraiment pressé de voir ce que va nous donner ce putain de coffre. Hop. Ok. Je nous emmène... Ok, ça doit être en dessous. Ça doit être en dessous. Ah oui, oui, exact. Je crois que c'est en dessous. Voilà. Et on y allait par là. Voilà, le coffre, les gens. Allez, c'est parti. Alors, ça, on tourne avec le joystick. Ça, on tourne avec le joystick droit. Et ça, on tourne avec la 6-axis. Voilà. Et nous avons... L'œil de Clockwork Badlen. Et bien voilà les gens, nous avons l'œil de Clockwork. Clockwork, pour ceux qui ne savent pas, c'est le méchant. Celui qui nous a fait chier pendant le premier épisode de Sai. Ainsi que le deuxième. Celui qui a tué les parents de Sai. Donc voilà, nous avons récupéré l'œil de Clockwork et... Si je me souviens bien, on m'avait dit que l'œil de Clockwork nous permettait de repérer les bouteilles. Ce qui serait assez cheaté, je vous l'avoue. Mais ce qui serait plutôt pas mal en fait. Donc, si jamais l'œil de Clockwork nous permet effectivement de repérer les bouteilles, donc dans les prochains mondes, ce serait vraiment, vraiment super utile. En tout cas, les gens, j'espère que cette vidéo recherche des bouteilles vous aura plu, vous aura aidé. On va vite fait faire un petit tour des choses qu'on peut acheter sur VolorNet. Voleur net, voilà. Et nous avons... Oula, nous avons pas mal de choses. Alors, chargeur de choses. Recharge automatiquement la chose de gadget en un clin d'œil. Très pratique. Ça coûte 1000 pièces. Courir en chargeant. Permet assez de courir en chargeant avec elle. Ah, très très bien. Courir en chargeant, pareil. Multibombe permet à mettre une pose jusqu'à 5 bombes à la suite à chaque fois que tu relâches triangle. Très bien. Et nous avons, enfin, nous avons le tir chargé pour Kamenita. Maintien puis relâcher hein, pour libérer un redoutable tir chargé. J'ai tout acheté. Il me reste encore presque 4000 pièces. C'est assez impressionnant, voilà toute ma galerie de trésors. Ah, mais attends, on peut aller repérer l'œil de Clockwork, alors je suppose. Voilà, il est ici. Œil de Clockwork, sélectionné. Alors, un morceau de Clockwork a survécu à la destruction de la micro-N. Donc, voir mon repousse sur Side 2, pour ceux qui n'auraient pas vu. Hein. Et cela donne raison à son assertion dans le clan Cooper, ne se débarrassera jamais de lui complètement. La possession de cet objet potentiellement diabolique permet au joueur de connaître la position des bouteilles et des coffres dans le binocom. Fuck yeah! Allez les gens, sur ce, on va cesser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, donc nous serons après immunisés pour les bouteilles. Nous saurons où elles se cachent. Et donc la recherche des bouteilles sera autrement plus facilitée, j'avoue. Et donc j'en profiterai pour récupérer un petit peu plus de trésors, ce genre de choses. Voilà, donc, je vous dis à plus, faites bien chauffer les pads. Have fun.